C'est vrai que certaines œuvres déstabilisent, dérangent, mais c'est le propre de l'art. Alors je prends pour exemple le chemin de Damastès de Jean-Michel Bruyère, le seul français présent dans l'exposition, et qui lui est parti d'une mythologie, de la mythologie grecque. Damastès, qui s'appelle aussi Procuste, habitait à la croisée des chemins, pas très loin d'Athènes. Il avait un lit qui était la norme physique pour lui. Il attrapait les voyageurs, les plus petits les étirait, et les plus grands il leur coupait les membres pour qu'ils s'ajustent parfaitement à ce lit. Donc effectivement, c'est la mythologie. Mais maintenant, le lit de Procuste, c'est devenu une expression qui veut dire la norme. Norme physique, mais norme également des idées. Et ces 21 lits d'hôpitaux qui bougent dans un souffle, tous à la au même rythme, les uns après les autres, c'est bien l'idée que, attention, il peut y avoir un seul physique, une seule idée, et que là, ça devient dangereux.